Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je remercie déjà tous les abonnés, les 845 abonnés qui sont sur ma chaîne, d'être fidèles. Je vais vous faire ce soir une vidéo Glitch XP pour avoir plus d'XP et pour pouvoir débloquer vos saisons de passe. Je fais un petit rappel pour les joueurs qui jouent tous les jours avec moi. Mes lives, c'est de 14h30 ou 15h, 20h. Et de 22h à 3h du matin s'il y a du monde. Par contre, si vous voulez venir jouer avec moi en section, il suffit de rester sur le live, de dire moi je vais jouer avec toi et je prendrai le joueur qui a demandé avant. Par contre, je garde personne sur le salon quand on va jouer. On sera que 4 et s'il y a un de plus, je l'exclus. Parce que sinon ça nous bloque dans les parties, ça sera plus long. Et là, nous allons partir sur la vidéo que je vais vous faire pour le Glitch XP. Vous allez suivre ce que je fais et vous faites pareil. C'est parti. Alors, il faut aller sur carré, code de l'île. Et le code de l'île, c'est... Attendez, hop. Alors, le code de l'île, il va falloir taper 63. 21, 84, 83, 03, 28, 28. Voilà. Là, vous faites jouer. Vous lancez le jeu. Vous voyez là, je suis en train de vous faire une vidéo, il y en a que je suis pas en live, ils sont en train de m'inviter de spammer, regardez. C'est ça qui commence à m'énerver. Il faut attendre que je sois en live ou qu'il y a de la place dans le groupe. J'espère que la vidéo va vous plaire. Mettez un petit j'aime si vous aimez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Là pour commencer, vous faites lancer. Voilà. Là, on prend la faille. Hop, on arrive dans la map. On va aller chercher un snipe. Le snipe. Celui-là, voilà. Et on va prendre un snipe. Non, pas un snipe. Oh, Cropponeur, désolé si je bégaye, c'est ma première vidéo. Dès que vous arrivez là, vous voyez, il fait noir. Pour activer le truc, on vient là, on allume les lumières, vous voyez. Là, vous allez voir, il y a des maisons, un bateau, tout ça qui est apparu. En premier, on va aller où qu'il y a le rocher là. Vous voyez le rocher qui est en haut là, on va aller dessus, il va falloir qu'on construit. Et grâce à ça, il y aura des petits boutons à débloquer, ça va nous débloquer des XP. On fait ça. Après, si vous pouvez construire plus vite, construisez plus vite, hein. On construit jusqu'à la base, sinon si vous y allez à pied, vous allez réapparaître. J'espère que la vidéo va vous plaire, hein, et que ça va vous faire là les XP, que ça va vous aider dans votre saison de passe. N'oubliez pas de venir sur le live, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors ici normalement on va trouver un bouton. Il est où le bouton? Alors le bouton, il faut chercher. Mince.
Le bout de temps, le bout de temps. Et puis les gens qui m'invitent me dérangent. Normalement, il est juste ici. Ah, l'aube là, vous voyez, là vous cliquez dessus. Désolé si je suis un peu long, hein, c'est ma première vidéo. Et là vous voyez, là, il y a des XP qui apparaît. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites ça. Hop là. Et là on retourne là, et là vous allez chercher. Vous voyez là-bas, il y a le panneau sens interdit, on va aller dessus. J'espère que ça va vous aider pour votre saison passe. Mais normalement oui, parce que ça va vous débloquer plein les XP. Et si vous aimez ce genre de vidéo, j'essaierai de vous en faire une tous les soirs. Et voilà, vous voyez, il y a le bouton XP. Hop là. Et là, je redébloque des XP. Vous voyez, je touche à rien. Vous voyez, je viens juste de gagner un palier. Donc juste après, on va aller sur le bateau. Donc on refait ça. Hop là. Le bateau. Et là vous avez encore des XP. Donc il y a au moins 1K4 je crois de XP sur cette map. Donc c'est pas négligé, hein. Donc là on va là. Voilà, on est sur le bateau. Donc on va sur la porte de droite, qui est là, là. Quand vous êtes sur le bateau, vous allez bien à droite. Voilà. Voilà, on descend. Là, on descend. Donc, une fois que vous êtes en bas, vous cherchez la petite prison. Alors, la petite prison, elle est là. Ok, là, on est devant la prison. Donc, le petit bouton, il doit être quelque part. Donc, j'espère que vous n'allez pas trop critiquer la vidéo, hein. C'est ma première vidéo, c'est pour ça que je suis un peu long. Alors, ah, c'est celui-là. Il faut pas aller dans celui-là, il faut aller où qu'il y a le seau. On referme la porte, et là vous avez un bouton. Hop! Et encore des XP. Il y a au moins 10 boutons hein, sur cette map les gars. Donc si la vidéo elle est un peu longue, désolé.
Bon, maintenant, faut qu'on aille dans la petite maison en bois. Qui est là, là. Vous voyez? Normalement, tout en haut de la maison, il y a un petit bouton encore. Et là, sur la maison, vers le corps du dinosaure, il y aura un bouton. Donc, on construit comme ça. Il faut qu'on monte le plus haut possible. Il faut qu'on aille vers le museau. Voilà. Et vous voyez, le bouton, il est là. On clique dessus. Hop là! Il y a encore du XP. Voyez comment il monte vite mon niveau? Et vous pouvez le faire tout le long de la journée, hein. Une fois que vous avez fait tous les boutons, vous recommencez, hein. Alors, maintenant, faut qu'on va sur le bouton qui est rouge. Alors, le bouton qui est rouge, Wix, il est là. Et là, vous allez dans le petit coin qui est là, là, et vous faites comme moi. 1, 2, 3. Et après, trois seuls vers la droite. Alors, 1, 2, 3. Hop, là, ça vous a emmené dans un distributeur. Et là, vous allez sur le distributeur. Là, normalement, il y a un bouton. Alors. Normalement, il y a un bouton sur à côté des distributeurs. Ah, il est là, juste là. Vous mettez votre joystick juste en bas. Vous voyez? Ah, il a un peu de mal, hein. Voilà. Et là, vous cliquez dessus. Donc, je vous fais gagner encore du XP. J'espère que vous allez faire comme moi, comme ça vous allez vite avancer dans vos passes. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si ça vous plaît, bah, mettez un message dans le live et marquez que vous voulez encore d'autres vidéos comme ça. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous êtes le bienvenu. Donc, juste pour la suite, on va retourner où qu'on était. Alors, c'était là. Non, c'était pas là. Il est où le bouton switch? Là. On avait construit là, là. On retourne sur les distributeurs, il y aura un autre bouton. Voilà. Et là, faut vous retourner. Normalement, ici, il y a un petit bouton aussi. Voilà. Vous voyez, donc les distributeurs sont là, exit là, vous, vous mettez comme ça, et là il y a un bouton. Mais bon, vous voyez là, c'est un petit peu moins d'XP, mais quand vous recommencez, ça refait pareil en XP.
Là, ça arrive qu'à là, vous pouvez aller manger, vous pouvez laisser votre console allumée, vous aurez toujours des XP. Regardez, je bouge pas, hein. On va y rester un peu comme ça. Donc, on va passer au prochain glitch. Là, vous allez là. On va vers le bateau. Voilà. Et après, vous allez voir là-bas, il y a l'arbre là et les deux cactus. Vous voyez? Vous voyez là, je bouge pas, je gagne encore du XP, hein. Donc on va aller maintenant vers les cactus. Voilà, là on est vers le cactus, vous voyez. Mais par contre, le bouton là qu'on doit trouver, il est bien caché, donc faut bien chercher. Donc par contre celui-là il faut bien le trouver parce qu'il est bien caché. Donc désolé si la vidéo elle est un peu longue. Je fais en direct avec vous là le glitch, c'est pour ça que je mets du temps à le trouver. Normalement il est là. Le premier cactus il est là. Moi j'ai galère à trouver, mais à mon avis si vous regardez bien ma vidéo, vous allez le trouver. Donc pour ce soir, je vais m'arrêter là. Il y a un autre bouton à trouver, si vous le trouvez, dites-le-moi. J'essaie de refaire la vidéo, mais là pour l'instant je trouve pas le bouton. Mais si vous recommencez tout début de la vidéo à chaque fois, ben vous allez gagner là du XP. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, que ça va vous aider pour vos XP et débloquer plein de trucs dans votre saison de passe et arriver au niveau 200, comme ça on aura fini le passe. Donc j'espère que si la vidéo vous aimez, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce et partagez la chaîne. J'espère arriver aux 1000 abonnés bientôt. Donc voilà ma toute première vidéo. J'espère que je m'explique bien pour les XP. Et si ça vous plaît, bah, je vous en ferai d'autres. Bonne soirée à vous et à la prochaine vidéo.